In the heart of our country, Rwanda, where the land meets the sky, there lies a world of resilience and determination. Welcome to the untold stories of rural farmers who have not only cultivated crops, but also their own inner strength. Ikintu cya mbere ginshimisha iyo mpinze nkajya ku isoko nkaba nagurisha abandi bantu batahinze cyangwa se undi muntu wo mu yindi sosiyete cya famiye yo higa ikaba yayiga binkomotseho ibyo bintu biranshimisha si bibi byanjye njyenyine ahubwo tukagura bikaba ibintu rusange kuba ndi umudamu mu buhinzi binera ishema bimfasha kwigira mbasha kwigurira icyo nshaka nk'ayo mavuta nkaba nakira umwana ku ishuri akiga nta kibazo kuba ndi urubyiruko nkaba nkora umwuga w'ubuhinzi ni ikintu mbona kirimo amafaranga cyafasha umuntu kwiteza imbere akaba ariyo mpamvu nabihisemo nkaba mbikora mu buryo bwo kuyango ndebe ko byanzamura nanjye mwigira imbere Wuro André, au nord du Cameroun. Dans cette partie du pays, les terres cultivables diminuent en raison de la dégradation des sols et les pluies se font rares à cause des effets des changements climatiques. Les agriculteurs locaux en sont les premières victimes. C'est le cas de Gano Pierre, un jeune agriculteur qui nous guide aujourd'hui à travers sa parcelle de terre. J'exploite l'espace de terrain, mais ça ne donne pas. Des fois, j'ai fait 1 hectare de maïs, comme vous voyez dans ce champ. Mais je n'ai pas eu un bon rendement. J'ai utilisé même les engrais chimiques. Mais avec tout ça, ça ne donne pas. Avec 1 hectare que j'ai fait, je n'ai que eu 6 sacs. Au quotidien, ce jeune agriculteur lutte contre les défis liés aux terres dégradées et aux événements météorologiques extrêmes qui touchent son village. Les sols, n'est-ce pas, sont dégradés. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans une zone, n'est-ce pas, aride. Et nous avons également le problème, n'est-ce pas, du changement climatique. Des fois, la pluie est un peu aléatoire, je peux dire, puisqu'il y a des fois, il y a une saison, n'est-ce pas, de sécheresse. Et les trucs comme les cultures, comme le maïs, ne supportent pas la sécheresse. Les aléas climatiques et l'appauvrissement des sols ne le découragent pas dans ses activités agricoles. Moi, je suis dépassé, je ne sais quoi faire. L'agriculture, n'est-ce pas, a été une activité pratiquée, n'est-ce pas, par nos ancêtres. Je ne connais plus d'autres activités en plus de ça. Je ne peux pas abandonner, mais vraiment, je ne m'en sors pas quand même. Mais avec tout ça, là, je me bats. Pour protéger l'environnement et dynamiser les productions agricoles, une ONG a introduit une technique agroécologique pour faire face aux aléas climatiques. Il s'agit du ZAI, une méthode ancienne répandue en Afrique de l'Ouest, mais méconnue ici, dans le nord du Cameroun. Des efforts de résilience portent leurs fruits. Grâce au ZAI, ces agricultrices ont récupéré plusieurs hectares de terres dégradées qu'elles avaient abandonnées par le passé. La technique agroécologique du ZAI a permis aux femmes d'augmenter leur productivité, d'améliorer leurs moyens de subsistance et de contribuer à la sécurité alimentaire. Certains temps, on a constaté que la région maritime, précisément la préfecture de la V qui est collée au Ghana, utilise tellement de produits chimiques, que ce soit herbicides, protecteurs
ou fertilisants, ils utilisent beaucoup cela. Étant formé pour l'agroécologie, j'ai décidé de les aider en les réunissant très souvent pour les former, les aider à produire les biofertilisants, les bioprotecteurs. Les leçons démarrent avec des gestes simples. Des mixes actifs mélangeant la bouse de vache, le lait, la levure et du sucre. Dahama a décidé d'embrasser l'agroécologie dans son champ. Comme les engrais organiques, ils donnent dingue. Donc pas blé, viens, blé à l'aigle que blanc ne voit toi. Agro n'a rien, ben de cas j'ai vu, que tu veux j'ai vu, ben non y a des agblés. Nous en et sans quoi engrais. Resilience isn't just about surviving, it's about thriving and preserving the land for future generations. Kubijyanye no gutaka kubya tubihinga igihe kirambye, no butaka bwacu tugomba kubyitaho tukabuhinga ku buryo umuntu agira nyine arwanya ibisuri, tugomba kufata neza kugira natwe tuzabusigira abandi tuzasiga. As the sun sets on another day, these farmers look to the horizon with hope and determination. Munzo zizanje, banumva ko nakagura nkahinga ibanza bitatu bine. Buryo nyine nimba nagaburiraga abantu batanu, buryo nakagura nyine bakababa nka 20. Inzozi zanje banumva biramutse bikunze. Nagira gutyo nyine nkagura nkayaminga umurima munini nkayambasha kujyana mu masoko ya kure, nkabasha kuba nagaburira abantu benshi bivuye kuri njyewe, mbese nyine nkabura nta muntu ufite inzara. Nizo zonzi zanjye. In the heartland of our nation, where the fields are vast and the spirit unyielding, these rural farmers stand as beacons of resilience.